Dans votre travail sur les tabacs, vous centrez votre raisonnement sur le pouvoir. Comment vous est venue l'idée de tout centrer autour du pouvoir? Eh bien, écoutez, il y avait certainement des raisons profondes, mais il m'est apparu tout à fait clairement que le vrai problème des rapports humains dans cette entreprise, c'était la dépendance et le pouvoir. Ce n'était pas, comme j'avais imaginé auparavant, un système d'autorité, c'était que illégalement, ceux qui étaient dans une situation favorable avaient de l'importance, marquaient leur influence, obtenaient des choses parce qu'ils avaient du pouvoir sûr. Et cette idée s'est concrétisée de façon forte très vite. J'ai cherché, trouvé naturellement tous les témoignages de refus de la dépendance et de gêne vis-à-vis de la dépendance. Et je les ai interprétés en termes de pouvoir. Et les ouvrières de production parlaient de dépendance, Elle c'est... parlait de dépendance et j'étais très frappé par ce problème de la dépendance, peut-être pour des raisons profondes personnelles, mais que je n'ai pas élucidées. Il y avait un refus de l'arbitraire. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, en quelque sorte? Oui, il y a un refus de l'arbitraire, mais il y a, c'est eux les seigneurs, c'est eux qui font le truc, on peut pas, il faut se plier, c'est ça, c'était des femmes, mais en fait, c'était aussi des hommes, il y avait aussi des hommes, mais il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes. Parce que l'interprétation aurait pu être, c'est un rapport homme-femme, n'est-ce pas? C'est les hommes qui décident, etc. Mais non, c'était celui qui tient l'autre en situation de sujétion. Comment vous avez fait le lien avec l'incertitude? Ah, mais avec l'incertitude, là, j'étais frappé par l'utilisation que les Américains, particulièrement dans le couple Marshall-Simon, faisaient de l'uncertainty comme un des problèmes fondamentaux de l'organisation humaine. Alors, j'ai travaillé là-dessus et je suis arrivé à ce résultat. C'était les faits qui montraient que le point sensible, c'était que le comportement prévisible, l'incertitude qui demeurait, et ceux qui contrôlent l'incertitude sont en situation favorable dans le rapport humain.